Il y a deux manières de chauffer les surfaces pavées, le chauffage électrique et hydronique. Cette allée est petite. Nous avons choisi l'électricité en raison de la valeur, de l'installation initiale et de la possibilité de personnaliser le système. Voici un gabarit de 3 pouces et quart pour nous assurer d'un emplacement adéquat. Nous utilisons une clôture de sécurité et nous suivons le schéma fourni par le fabricant. Nous le fixons et l'espaçons correctement, puis nous taillons toutes les attaches de plastique en surplus. Et nous continuons. Ensuite, nous poserons notre grille chauffante. Nous le placerons par-dessus un lit de pose de sable compacté à une épaisseur d'environ 1 pouce. Ensuite, nous couvrirons la grille d'un autre pouce de sable, ce qui le protégera de l'abrasion que pourrait causer l'agrégat au cours des cycles de gel et de dégel. Une fois le travail terminé, nous aurons une belle année sans neige tout l'hiver.